Grand Dieu, cela s'annonce mal! Regardez là-bas! Oh, Jésus-Christ tout-puissant! Giedrich m'a demandé de vous aider de mon mieux. Les soldats d'Edwin nous ont joué un sale tour. Quoi que tu puisses faire, nous t'en serons reconnaissants. Passez sur le côté! Je dois passer de l'autre côté. Déploie tes ailes, Sinin.
Guide-moi, Sinin. Dispersez-vous sur leurs flancs, les gars. Et restez à l'affût, ou nous finirons au gibet. Toi, là, pourquoi tu rampes comme ça? Une patrouille d'Edwin vient par ici. On va tous les surprendre. Doucement, les gars. Les agneaux ont service. Je vais te parler. Regardez-moi faire. Affaibli les défenses d'Edwin. Une embuscade contre ces soldats devrait être ma dernière attaque avant le début de la bataille. Va voir, Sinin. Voilà pour te servir. Mon bon ami, préfères-tu devenir l'esclave d'Edwin et vivre sous sa botte? Car voilà ce qui t'arrivera si ces marchandises rejoignent. Voilà, Fulke.
Je les vends à quiconque a de quoi les payer. C'est comme ça que je gagne ma vie. J'avais de l'argent avant qu'on m'en fasse. C'est pour le bien de ton comté. Tu as perdu la tête. Pourquoi ce raffut? Elle essaie de me voler. Attention, j'attends une escorte de soldats d'une minute à l'autre. Ce marchand apporte de l'équipement au château. De l'huile à faire bouillir, des flèches, des boucliers, des vivres. J'ai proposé de les acheter, mais il refuse. Je ne vends pas en échange d'une promesse de bénéfice. Edwin est une bonne cliente. Dans ce cas, je vais te faire une offre. Que dirais-tu d'une histoire, en échange de tes marchandises? C'est un curieux marché, danois, mais pourquoi pas? Chante-moi une de tes sagas. Les vents vifs erraient. Les mers crachaient leur sel. La nuit s'ensommeillait. Odin le sage se leva et dit adieu, en chaussant ses bottes de cuir. Un peu lent comme début. Remue un peu tout ça. Bien longtemps avant le commencement, avant toi et moi et les autres, Odin le sage regarda de son unique œil diminué. Il observa, il cligna et il tonna. Cet Odin là, c'est l'un de tes dieux, c'est ça? La lune brûle d'un rouge vermeil, l'écume est dorée. Odin le sage prononce les mots. Bon, je voulais autre chose, en fait. Arrête, tu veux? Le serpent se love. Loki miaule. Du poison ruisselle de sa bouche. Assez, assez! C'est une malédiction du Nord. Allez, file! Et comment ça se termine? Tout le monde meurt. Il a dit que des soldats allaient venir. Ces jarres d'huile pourraient les surprendre. Cela ferait moins d'hommes pour Edwin. J'ai des visions d'hommes en feu. De soldats enflammés qui hurlent. Si l'on place l'huile et l'équipement près de la haie, le long de la route, cela fera un feu des enfers au passage des soldats. Monte sur cette hauteur et guette la venue des soldats. Tu m'entendras hurler quand ils approcheront. On m'attaquera à vue par ici. Shall bring us a huge door hammer. C'était quoi, ça? Mon hurlement. Les hommes d'Edwin approchent. Prépare-toi! Les soldats sont tous prêts. Cette branche en surplomb est un bon endroit pour lancer une attaque. Déclenche le piège.
Il n'y en a plus. Edwin attendra une aide qui ne viendra jamais. Ça ne va pas ? Non. Non. Bien au contraire. À Saint-Alban, ton frère a déclaré être apparenté aux dieux. Est-ce vrai ? Descendent-ils vraiment des enfants des Archontes ? Les Issou ? Pardon d'être brusque, Fulke, mais la moitié du temps, je ne comprends rien à ce que tu dis. Excuse-moi. J'attends souvent trop de mes auditeurs. Des gens qui craignent la damnation alors que le pire des maux est l'ignorance. L'ignorance de quoi ? Quelle phrase parfaite ! Je vais le dire plus simplement. Est-il possible que ton frère descende des dieux ? Ou soit lui-même un dieu ? Je n'en sais rien. J'aimerais rejeter cette idée, mais... Mais j'ai vu tant de choses. Des visions, des prophéties. C'est difficile à expliquer. Tiens toujours compte de tes visions. Tu as peut-être été touché par le vrai savoir. Sigurd n'est qu'un homme. Le fils d'un roi et mon frère. Il a peut-être une très haute opinion de lui, mais ça ne fait pas de lui un dieu. Est-il possible que sa lignée royale ait été engendrée par un dieu, dans le passé ? Nous n'avons pas de temps à perdre en rêverie, Fulke. Il est temps que je retrouve Gedrich, afin de voir où en sont ses préparatifs d'assaut. Bonne chance, Eivor. Je vais rester ici, et prier pour les âmes des morts avant de te rejoindre. Eivor, as-tu déjà porté quelques coups à Edwin ? Oui, elle ne tardera pas à en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Pourquoi ça ? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ces espringales nous mettraient en pièces avant qu'on nous verse sur la couenne de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler seul et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Par tous les saints, tu es un coriace.
fond a l'air imprenable. C'est là que se réfugiera Edwin. Les espringales sont de grandes arbalètes. Je dois les mettre hors d'état. Je pourrais m'occuper de ces chaudrons. Garde.
tu te cacherais dans les broussailles. Moi, disparu. Tiens, pas près. On ne sait jamais. Tu serais dans les forêts. Reste des choses à faire, mais cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, au tour de Gedrich de mener ses hommes. Quoi ? La roche grimpe là-bas ! Je dis qu'il faut attendre. L'enjeu est trop élevé. Je suis Sigurd, Jarl de la Mercy de l'Est. Et je dis que nous allons combattre. Tu es quelqu'un de bien, Sigurd. Et je te suis reconnaissant. Mais je n'attaquerai pas sans Eivor. Nous attendrons. Est-ce fait ? Oui. As-tu dressé des perches de noisetier, composé des poèmes pour la victoire à venir? Je suis venu ici pour voir Gedrich. Vas-y alors. Ton maître t'attend. Tu rêves toujours de ta précieuse pierre? Ce ne sont pas des rêves qui m'ont conduit ici, Eivor. Mais des visions, des prophéties venues des dieux. Des visions, dis-tu? Je vais offrir un sacrifice à Tyr, seigneur de la justice, annonciateur d'une parfaite victoire. Sigurd, mais quelle prophétie? Sommes-nous prêts à attaquer le château, Eivor? Les signes et les présages sont bons. Nous sommes prêts. Donne l'ordre. Bien. Et surtout, ne tardons pas. Mes éclaireurs me disent qu'une troupe du roi Elfred est en marche. Terminons-en avant que cette phase de pudding ait l'occasion de répliquer. Ça me fait penser...
Félicitations, tu as triomphé d'elle. Fais ce que bon te semble, Seigne du Fumier. J'ai été loyal au comté et à son peuple. Alors je sais qui Dieu reconnaîtra. C'est Eivor qui t'a battu. C'est à lui de décider de ton sort. Soigne ses blessures. Habille-la de Harde et mène-la sur la lande, condamnée à l'exil. Tu es banni de la Mercy, privé de famille, de rang et d'amis pour te réconforter. Je parcourais les routes les pieds en sang, en rêvant de t'arracher les poumons de mes mains. Alors qu'on l'emmène! J'ai tenu ma promesse. Je compte sur toi pour faire de même.
Nos peuples sont-ils maintenant liés par serment? Tu nous as rendu un grand service, Eivor. Je t'en remercie. Et s'il faut te rendre l'appareil, je ferai de mon mieux. Entendu. Compte sur moi. Je vais vite ramasser le butin. Le roi Elfred doit être en chemin. Et il ne sera pas seul. Nous devons nous organiser. Dieu les punira un jour ou l'autre. Apparemment, les troncs ont eu raison d'installer des tours aux côtes des rivières et des ponts fortifiés. Bon. Tu vois, ce sont les marques des anciens, les Issus, les dieux engendrés par les dieux. J'ai déjà vu ça quelque part. Je connais ces mots. Qui se tient sur un seuil doit prendre soin de regarder alentour, car qui sait quels ennemis se tiennent au-delà. J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois. Un millier de fois. Un millier. Qu'est-il écrit, Sigurd? Cela te dit quelque chose? Oui, mais les mots sont embrumés, dans l'ombre, et pourtant je ressens leur signification. Et le frêne, je vois le grand arbre de vie. Ses branches touchent le ciel, ouvrant la voie. C'est ce que tu avais promis, Basim. Tout ce que tu as prédit est vrai. Eivor, je suis bien plus que ce que je parais. Tellement plus. C'est de la magie maléfique, Sigurd. Du Seidre noir. N'écoute pas. Non. C'est vrai. Tout est là. Au mur! Au mur! Elfred s'en vient. Le roi Elfred de Wessex. Il approche avec une grande troupe. A-t-on le temps de s'échapper? Les hommes sont épuisés. On n'a pas la moindre chance. Des pourparlers, alors. Il faut demander des pourparlers. Je vais m'exprimer. Et le roi du Wessex m'écoutera. J'ai cru comprendre, roi Elfred, que ton nom n'était guère apprécié ici, en Mercie. Pourtant, je suis assez près du Wessex pour entendre mes louanges de l'aube au crépuscule. Alors regagne tes sujets en pâmoison, et laisse donc les affaires de la Mercie aux Danois. Pas avant que vos champs de guerre païens ne se soient éloignés. Propose un marché, Seigneur. Tu me joins. De grâce. Pas de mespace. Réglons ceci tout de suite, Sire. Échangeons des hommes. Mon meilleur guerrier contre le tien, en gage de paix. À la suite de quoi vous quitterez la Mercie. Et nous nous replierons au nord de Luz. Des conditions honnêtes. Wolfric. Mon thane de guerre. Tu vas rejoindre Gedrich, mon ami.
Qui m'envoies-tu? Jarl Sigurd. Je me propose. Merci, Basil. Roelfred. Un instant. Est-ce toi, Fulke? Tu les accompagnes? En effet, monseigneur. Afin de reprendre des mains d'Edwin ce qui m'appartenait de droit. Sigurd est le seul dont tu aies besoin. Il vaut plus que 20 hommes ordinaires. Car il est le fils d'un roi. Vipère traîtresse. Et ses hérésies sont très graves, monseigneur. Il se proclame être un dieu vivant. Je t'étriperai, maudit troll! J'accepte de te rejoindre, roi Elfred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd. Sachez que le Seigneur notre Dieu vous observe tous. Cet homme est dangereux, mon roi. Laisse-moi le tenir. Comme tu voudras, mais fais preuve d'égard. Dieu, Basim, c'était quoi ça? Je vais les épier. Ils ne s'échapperont pas. Ramvi, nous avons achevé notre tâche en Oxenfordshire, mais nous avons payé un lourd tribut. C'est ce que j'ai craint en voyant arriver cette lettre, adressée à toi par quelqu'un du nom de Fulke. Fulke ? Maudite soit cette sorcière. Elle est là, sur la table. Fulke fait partie de l'Ordre des Anciens. Celui dont Kjotve était membre. Et celui que Basim et Aitam ont juré de détruire. Eivor, qu'est-il arrivé? Sigurd a été pris en otage. Capturé par le roi Elfred et remis à une femme appelée Fulke. Une femme extrêmement dangereuse. Que compte-t-elle faire de lui? Je t'épargnerai les divagations de Fulke, mais sache ceci. Sigurd s'est arrangé pour conclure une alliance avec un Thane du nom de Gedrich. C'est un homme honnête qui répondra à mon appel. En attendant, Basim ira chercher Fulke. Prends note de son message quand il te parviendra.